Non, elle ne maltraite pas les animaux. Ainsi se défendait ce mercredi Brooke Woods, youtubeuse américaine suivie par plus de 334 000 abonnés, sur son compte Twitter. Des justifications publiées après la mise en ligne par erreur d'une vidéo non montée dans laquelle elle fait preuve de violence envers son chien, un jeune Doberman prénommé Sphinx. Un comportement qui a rapidement enflammé la toile, loin de se douter des coulisses, d'autant plus que l'animal est une des stars de la chaîne de la jeune femme, si elle reconnaît avoir « hurlé » sur le chien et avoir eu un comportement déplacé en ce sens, Brooke Woods s'explique avoir vécu des événements « peu exceptionnels » dans sa vie privée récemment. Elle considère d'ailleurs que l'animal agit dangereusement avec elle, quand mon Doberman de 34 kg me saute au visage la gueule ouverte, je dois, en tant que maîtresse, lui montrer que son comportement est inacceptable. Elle raconte d'ailleurs que le chien, très peureux et sans cesse collé à elle, est en train d'être dressé. Cependant, selon elle, les images violentes dévoilées ne montrent en rien leur relation au quotidien, un mea culpa qui ne passe pas auprès des internautes, et pas que. L'association PETA a ainsi appelé YouTube à bannir la youtubeuse tandis que la police de Los Angeles mène actuellement une enquête pour maltraitance animale, comme confirmé auprès de The Verge.